Salut à tous, c'est Ludo et on se retrouve aujourd'hui pour la première de la cave à jeu. Donc on va jouer à quoi? On va jouer tout simplement à Quackshot aujourd'hui. Quackshot sur Mega Drive. Donc le jeu est sorti en 91 sur Mega Drive, développé et édité par Sega. C'est un jeu mythique. Un petit jeu d'aventure plateforme. Donc c'est plutôt sympa. Là aujourd'hui on va jouer sur la Mega Drive 2. Parce que j'ai tout simplement les manettes de Mega Drive 2. Et j'aurais eu les manettes de Mega Drive 1, je pense que j'aurais joué sur la première. Donc cette console, c'est mes grands-parents qui m'ont donné cette console. Et j'y jouais quand j'étais tout petit. Et j'avais aussi, mon père avait eu la Mega Drive 1, du coup. Et qui est un peu plus grande. Mais perso, je préfère le design de celle-ci que de la Mega Drive 2. Mais je joue sur la 2, du coup, vu que j'ai les manettes. Mega Drive 2 avec le petit bouton start là qui est rouge. Donc on va commencer tout de suite. J'allume la console. Et donc pour ceux qui connaissent pas ce jeu là, vous allez voir, c'est un jeu qui est plutôt pas mal foutu pour son époque. Et pour ceux qui le connaissent, bah, ça va être que des bons souvenirs. Donc oui, le jeu est sorti en 91, je l'ai déjà dit. Faut pas que je radote. Il fait partie de la série des illusions. C'est pour ceux qui connaissent, ceux qui ont créé les Mickey, Castle of Illusion et World of Illusion. Donc c'est toute une série de jeux franchement qui sont super bien foutus. Donc Quackshot, c'est quoi? C'est oui un jeu d'action aventure, surtout d'aventure. Le principe il est génial. Donc c'est Donald qui a trouvé une carte au trésor tout simplement chez son oncle, Picsou. Et donc il part à la recherche de ce trésor avec ses trois neveux, Riri, Fifi et Loulou. Et donc on a cette carte, là on peut diriger. Pour l'instant au début on n'a accès qu'à trois villes. Et on va devoir retourner petit à petit dans les villes précédemment faites pour pouvoir, une fois qu'on aura débloqué certains items, pour pouvoir progresser. Donc le jeu est vachement référencé à Indiana Jones, par contre, ça je sais pas si vous avez fait attention, mais au niveau de l'écran titre, ça ressemble quand même vachement au jeu Indiana Jones. Enfin, pour moi, ça me fait penser à Indiana Jones sur arcade. Je trouve ça vraiment... Ouh, je me suis fait toucher. Ça vraiment super ressemblant. Donc là, je vous ai même pas expliqué les boutons. Là, je prends des piments. Là, ce que je viens de prendre, c'était des piments. Et du coup, bah, arrivé avec la jauge remplie à fond, bah voilà, Donald Duck pète un peu les plombs et il devient invincible pendant un certain temps. Donc les touches, c'est tout simple. On a la touche A qui nous sert à courir plus vite, comme vous pouvez voir là. Dès que j'appuie dessus, paf. Ça me fait courir un peu plus vite. Perso, je la trouve un peu inutile cette touche parce que on peut aussi faire une combinaison. Si on appuie sur la flèche du bas, puis C, ça le fait glisser plutôt vite et assez loin. Donc le bouton C sert aussi à sauter quand on appuie juste sur C. B sert tout simplement à tirer. Après, on a le menu start et de toute façon, vous allez voir tout ça. Donc là, je suis arrivé à la fin du premier stage. Enfin, à la fin de la première partie du premier stage. Et donc lui me dit que en gros je peux pas continuer plus loin parce que j'ai pas les ventouses adaptées. Donc pour ça il va falloir que j'aille au Mexique rechercher les ventouses adaptées. Donc ça va être des ventouses rouges. C'est Dingo qui va nous le donner. Donc et pareil, les niveaux, les stages dans ce jeu sont très très variés. Il y a vraiment beaucoup de stages très différents. Vous allez voir ça tout à l'heure. Rien que là, on passe de la ville au désert mexicain. Je trouve ça quand même. On rentre vite fait. Mince, désolé. On rentre vite fait dans l'ambiance quand même du jeu. C'est plutôt super bien fait. Après, niveau difficulté, il n'est pas. Quand j'étais petit, j'avoue que je n'ai pas fini souvent. Mais c'est pas un jeu extrêmement difficile quand même, il se fait assez simplement.
Le truc par contre, c'est que bah, on s'en lasse jamais. Moi personnellement, je m'en lasse jamais de ce jeu-là. Je le trouve vraiment excellent. Donc là, on arrive à la deuxième partie du niveau du Mexique. Parce que vous allez voir, je suis très mauvais aujourd'hui. Vous allez voir que oui, donc tous les niveaux sont divisés en plusieurs petites parties. Et là, donc le Mexique, on peut tout faire d'un trait. Le Mexique, on peut tout faire d'un trait. Et après, on va devoir revenir sur nos pas, retourner au premier stage qu'on a fait, donc dans la ville. Et avec ces ventouses rouges, on pourra accéder à une autre partie du niveau. Les musiques du jeu, que dire sur les musiques du jeu. Non, franchement, c'était un jeu qui était complet, parce que, comme je disais, au niveau de l'ambiance, que ce soit les musiques, les ambiances des niveaux, c'était vraiment mais magnifique, quoi. Et les musiques sont géniales. Donc franchement, on s'ennuie vraiment pas dans ce jeu-là. On s'ennuie vraiment, vraiment pas. Les animations sont plutôt bien faites. Le jeu est beau. C'est vraiment un beau jeu. Oh là 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 là. Donc là, je vais essayer de pas me faire toucher par celui-là. Ok, bon bah. Hein. Ok, voilà. C'est pas évident. les jeux rétro, c'est quand même. Enfin, moi, j'ai toujours considéré que les jeux rétro étaient légèrement plus durs que les nouveaux jeux. Enfin, ça dépend lesquels, bien sûr, mais la plupart. Ok, donc là, il faut que je retourne déjà à la première ville, en fait, pour récupérer, j'avais oublié ça, pour récupérer, donc, je vais retourner voir ce petit bonhomme-là, voilà. Et ouais, bravo, tiens, je te donne la clé pour pouvoir entrer dans le temple au Mexique, en gros. Donc, je retourne au Mexique. Et le jeu est en anglais, bien sûr, donc, il faut savoir que moi, quand j'y jouais, je devais avoir 5, 6, 7 ans, donc, enfin, j'y jouais. Tapoter sur la manette plutôt. J'ai pas souvenir de l'avoir fini, franchement. En anglais, à 5-6 ans, non. Surtout qu'il y a un certain passage où il faut absolument regarder dans son inventaire, parce qu'on aura une carte plus tard, et cette carte, faudra la lire, parce qu'elle nous donne un mot de passe, et waouh. Donc là, on utilise la clé que le mec nous a refilé dans la première ville, on l'utilise et ça nous permet bien sûr d'ouvrir la porte du temple. Et là, on rentre dans vraiment le premier stage assez particulier. On rentre déjà dans une ambiance avec la musique et tout, toutes les flammes. C'est assez sympa. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Bon là, je préviens tout le monde, je fais exprès de me faire toucher parce que je sais qu'il y a un poulet juste après. Donc voilà. Hop. Voilà, on va faire comme ça, hein. Bien plus simple. Et donc là, oui, faut être assez malin. Enfin, quand on est petit, c'est pas évident. Mais il faut jouer, voilà, avec les trucs verts, faut les toucher. Puis, une fois qu'on les a touchés, on peut monter dessus sans craindre de se faire toucher. Donc je sais pas si vous entendez le bruit de la manette. Et ça va rappeler pas mal de souvenirs à tous les connaisseurs de Mega Drive. C'était quand même une manette. Elle est très solide. Hein. C'est extrêmement solide, ces manettes-là. C'est pas comme les manettes de PlayStation 3 ou Xbox et tout ça, et encore que Xbox c'est plutôt pas mal solide. C'était vraiment de la qualité. Bon, par contre, c'est clair que faut appuyer, faut vraiment insister un minimum pour. Le bruit de ces touches, j'adore, ça me fait penser un peu. Bah, c'est comme la manette de Neo Geo, quoi, c'est. Enfin, le bruit est mieux. Dès que j'entends ce bruit, ça me fait tilt.
Non, là, je l'ai fait trop tôt. Donc là, vous voyez, il faut jouer un peu avec eux, avec leur hauteur, voilà, pour pouvoir nous permettre d'accéder aux passages qui sont un peu plus hauts. Là, j'ai été trop court, et voilà. Donc là, c'est... En parlant, c'est pas évident. J'ai refait le jeu il y a quelques jours. Je l'ai fait assez facilement, d'un trait, j'ai perdu qu'une vie, il me semble. Là, en communiquant avec vous, c'est quand même beaucoup moins évident à jouer. Mais c'est toujours aussi agréable, par contre. Donc voilà, on va enfin réussir à passer ce petit passage. Bon, je vais tracer, parce que je vais essayer de vous faire découvrir quand même pas mal du jeu. Parce que, comme je vous disais, les niveaux sont tellement variés que, ouais, il faut vraiment que j'essaye d'aller le plus loin possible dans le jeu. Alors là, c'est pas évident, on entre tard. Hop, oui, ça, normalement, c'est bon. Ouais. Touché. Ouh, au niveau de la vie, là, il me reste que 3 pommes, c'est chaud. Donc là, on voit notre ami, c'est Dingo. Et Goofy en anglais, bien sûr, oui, j'avais oublié. Donc Dingo va nous donner les ventouses rouges. Et ces ventouses rouges, regardez, elles restent accrochées au mur. Elles restent accrochées au mur et du coup, ça nous permet de monter dessus. Et là, on va pouvoir retourner à la première ville pour accéder à la deuxième partie. Donc là, vous pouvez constater aussi que, hormis ces deux-là, là, les deux petits monstres verts, tous les autres, dans les montées ou descentes, avec lesquels il fallait jouer pour faire l'ascenseur, donc notamment ici, ils ont disparu. Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est plus pour un gain de temps, pour éviter de refaire. Je pense que les développeurs, ils se sont dit, c'est quand même plus intelligent que le joueur puisse enchaîner quasi d'un trait tout son retour. Ok, bon, faut plus que je me fasse toucher une seule fois, sinon c'est la catastrophe. Alors on va y aller prudemment. Hop. Non, ok. Voilà, et de 1. Et de 2, on trace. Il faut vraiment pas que je me fasse toucher, sinon je recommence tout ce stage. Ah, les jeux rétro. C'est ça le truc, c'est comme là par exemple, je vois, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai 4 vies. Dites-moi un jeu d'aujourd'hui, donnez-moi le nom d'un jeu d'aujourd'hui où on récupère des vies, on récolte des vies, et au bout de 3-4 vies, si t'as tout perdu, t'es game over, tu recommences tout le jeu à zéro. Il n'y en a plus, franchement. Et ça enlève une grosse difficulté au jeu d'aujourd'hui, et je trouve ça un peu dommage. Après, je dis pas que j'aime pas les jeux d'aujourd'hui, loin de là. Je joue à toutes sortes de jeux. Mais je trouve quand même que c'est un petit point négatif sur les nouveautés d'aujourd'hui, c'est la difficulté, je la trouve vraiment beaucoup plus simple. Avant, c'était un peu, bon voilà, t'as ça, tu te démerdes. T'es là, démerde-toi, voilà. On te donne quelques trucs pour que tu avances dans le jeu et après, démerde-toi. Maintenant, on a des didacticiels, on a des... Enfin, non, c'est quand même... Le joueur est très assisté. Ah, ça, c'est cool, j'ai récupéré un poulet. Ça fait du bien à la jauge de santé, quand même. Là, ne pas tomber, surtout. Ne pas tomber. Donc là, dans ce stage, il me semble qu'il y a une petite référence à Mickey. Parce que donc, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, les créateurs des Illusions qui ont créé ce jeu-là aussi. Donc, Castle of Illusion. Un jeu, je vous ferai un test sur Castle of Illusion plus tard. C'est un jeu, mais merveilleux. J'adore Castle of Illusion, je sais pas, il a vraiment bercé mon enfance. Celui-là, par contre, j'ai réussi à le finir étant plus jeune. Parce que Castle of Illusion est quand même très très simple. C'est un jeu qui reste très très simple. Mais il est vraiment magnifique, les musiques sont géniales. C'est un truc de dingue. Franchement, Castle of Illusion, il est génial. Et j'arrive à finir le jeu en... Le mieux que j'ai fait, c'était 24 minutes. Donc je suis plutôt assez fier de moi. Donc je vous ferai un test plus tard dessus.
De toute façon, là, en même temps que je vous parle de Castle of Illusion, pardon, et World of Illusion, vous avez les images juste en dessous qui apparaissent. Et sinon, j'ai aussi, il y a un jeu sur lequel on peut retrouver donc Donald Duck. C'est un jeu, un RPG sur Game Boy. Alors attendez, je vais prendre ma petite fiche parce que je ne sais plus. C'est sur Game Boy Advance, voilà. Donc on est sur Game Boy Advance, un jeu de, donc un jeu RPG où on peut retrouver donc Donald, Pluto, Dingo. Et le jeu donc c'est Kingdom Hearts sur Game Boy Advance. Je l'ai testé, il est plutôt pas mal. C'est un RPG assez enfantin quand même. Après voilà, c'est pas le type d'RPG que je préfère. Je suis plus dans le style FF bien sûr, Final Fantasy ou Skies of Arcadia. C'est pour moi c'est le RPG. Petite référence à Mickaël là au-dessus, vous pouvez voir. Je vais remonter, je vais vous montrer. Ok, je me suis fait toucher. Donc là, on voit un ballon avec la tête de Mickey. C'est cool, c'est classe, la classe. Franchement, respect. Ok, je suis tombé. J'aime pas passer par en bas, donc je vais quand même passer par en haut. Je préfère passer au-dessus. Donc ouais, Kingdom Hearts, où on retrouve Donald. Aussi, Donald, un jeu qui est sorti sur... Donald Attack, il me semble, le titre exact, sur PSX, sur PlayStation 1, qui était plutôt un bon jeu, je trouve. Et donc là, on va retourner, on appelle l'avion, on va retourner. Là, j'ai récupéré les bulles, donc on va pouvoir aller à la troisième ville, en Transylvanie. Et donc, on va pouvoir continuer l'aventure après ce stage. Donc là, on aura déjà dans ce stage le premier boss du jeu. Et aussi, après ce stage, on va débloquer donc l'accès à toutes les autres, tous les autres stages, toutes les autres villes. Donc là, j'ai récupéré une autre ville. Le symbole que vous venez de voir, c'était une autre vie. Là, le popcorn que je ramasse, enfin le popcorn, autant pour moi, le maïs que je ramasse, me sert d'arme, tout simplement. C'est l'arme la plus puissante, je trouve, du jeu. Donc je l'utiliserai pour le boss de ce stage, parce que c'est bien plus radical. Oh là là, pour tuer les boss. Donc ouais, vous pouvez le constater, je tiens ma manette assez bizarrement, mais c'est quasiment que dans ce jeu-là. J'ai le pouce ici et l'index sur le C. Pourquoi ? Pour pouvoir rester appuyer en permanence sur le bouton courir qui me permet de gagner un peu du temps et si nécessaire je peux me baisser toujours et aller plus rapidement en glissant sur le sol. Donc là j'ai fait start et non, j'ai eu un bug quoi. Ah non. Ok, alors je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit bug, parce que je vous montrais, j'appuyais sur courir, parce que je le maintenais, et en bas, et C pour glisser. J'ai fait start en même temps, et en appuyant sur toutes ces touches, ça m'a bugué l'écran, ça m'a mis un écran noir, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, c'est débloqué maintenant, c'est bon, on peut continuer. Donc là, les bulles, vous pouvez voir, elles nous permettent de détruire les blocs bleus là qu'on voit, sauf que ceux-là, il faut pas les détruire. Ok, je me fais toucher encore. Il faut pas détruire ceux-là parce qu'ils nous permettent de monter. Et ils nous permettent aussi les bulles nous permettent aussi de détruire les tonneaux. Donc là, on continue, on enchaîne. Je vais essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Hop, on va juste. Il n'y a pas un poulet là? Non, une vie. Hop, on récupère l'autre arme. Donc vous voyez, on alterne beaucoup dans ce jeu-là sur le menu pour changer d'arme, pour on va jouer beaucoup vraiment avec les menus, avec les niveaux, on va faire des allers-retours et je trouve ce jeu vraiment assez intelligent. Il faut se casser la tête. Et oui, donc ce que j'expliquais tout à l'heure quand j'étais minot, c'est plutôt compréhensible que j'ai pas réussi à le finir. C'est un jeu quand même
assez compliqué pour un enfant, surtout qu'il faut comprendre un minimum l'anglais. Donc voilà. Donc là, on continue, on est sous l'eau. Déjà, un stage sous l'eau, il n'y avait pas beaucoup de jeux quand même qui à l'époque avaient des stages sous l'eau. Enfin non, si je dis des conneries, parce qu'il y a du Alex Kidd, il y a du Sonic, il y a du Mario. Non, ouais, je dis des conneries. Il y avait quand même plein de jeux où on allait sous l'eau. Oh. Je suis mauvais, hein. Mais c'est pas évident, hein. Je vous propose de faire l'essai de vous filmer tout en jouant. C'est pas évident. Je sais pas pourquoi je suis passé par en haut, moi. Alors que c'est après qu'il faut passer par en haut. Donc là, oui, bien sûr, hein, sous l'eau, la difficulté, c'est la vitesse. On perd plus de la moitié de notre vitesse. Ce qui rend le jeu quand même un petit peu plus lent. Mais ouais, non, c'est le seul stage où on a une phase sous l'eau. Et ça remplit quand même, quoi. C'est, je veux dire, c'est court, donc ça devient pas gênant. Et ça apporte de la diversité dans le jeu, franchement. Donc on va pas s'en plaindre non plus, parce que là, on est arrivé à la fin, tout simplement. Ah, ok, j'étais trop court, voilà. Donc là, on reprend. Ah, le fantôme. Je vais prendre les bulles. Et je vais attendre, parce que là, voilà, là, il sourit. Dès qu'il sourit et qu'il se retourne, si je ne suis pas baissé et que je continue à bouger, il se démultiplie. Et donc, on a affaire à une petite dizaine de fantômes. Je vais vous montrer ça de toute façon. Puisque là, je vais être obligé de le dédoubler. Je sais pas s'ils vont avoir le temps de monter. Bon, enfin... Vous avez sûrement entendu le bruit, et de toute façon on le reverra là tout à l'heure. Je vais vous montrer sur l'autre partie, parce que là j'ai été un poil trop vite. Donc vous pouvez constater là au niveau des vies, je suis rendu à 6 vies. On récupère assez souvent des vies hein, dans le jeu. C'est un jeu Disney, hein. Donc on va pas non plus handicaper le joueur à faire un jeu qui est quand même... trop difficile, surtout que c'était quand même destiné à des enfants. Donc là vous pouvez entendre une espèce de mécanisme. Voilà, c'est le mur qui se rabat sur moi tout simplement. Et ouf, c'était super chaud, parce que là je me faisais toucher, le premier pixel du mur qui me touchait, c'était foutu. Donc, j'ai pas été très bon. On va enchaîner. Je sais qu'il y a une vie ici, mais on va la zapper. Bon, je vais vous montrer là le petit bonhomme, le petit fantôme, comment il fait quand il se démultiplie. J'ai même pas peur. Même pas peur, tu m'attraperas pas. Et pouf, là il revient. Donc vous voyez, c'est pas non plus un truc de malade quand même. Et là, donc là, dans ce stage... Si on continue, j'aurais très bien pu continuer vers la droite, tout simplement. Sauf que j'aurais continué à l'infini, en fait. Et je serais revenu ici, à l'endroit où je suis monté, je serais revenu en boucle, jusqu'au moment où je calcule que, ah, on peut aller en haut. Et donc, en fait, on va en haut avec les ventouses rouges, et on continue. Et on arrive au premier boss, donc, de ce jeu. Un vampire normal, on est en Transylvanie. On peut que se battre contre un vampire, c'est logique. Donc là, j'ai pris l'arme, j'ai pris le maïs. Pourquoi ? Parce que, vous pouvez le voir, il balance plein de chauves-souris. Et le fait que quand je tire un truc de maïs, en fait, pff, ça m'en envoie plein. Et c'est quand même l'arme la plus puissante, donc ça m'évite de passer trop de temps sur les boss. Comme par exemple le boss au niveau du stage du Maharaja. C'est un gros tigre, le boss. Vous voyez, je l'ai tué très rapidement. Pour ceux qui connaissent le jeu, je l'ai tué bien plus rapidement que si j'utilisais les ventouses.
Pour le tigre, c'est pareil. Et c'est ce qu'il y a de mieux, parce que le tigre, je sais pas si vous vous souvenez, il fait des gauche-droite, en bas et en haut. Ce qui... Donc c'est pas évident de toucher avec les ventouses. Et c'est pour ça que j'utilise ça, et vachement plus rapide. Donc là, vous pouvez voir que, voilà, maintenant on a accès à 4 nouvelles villes. Donc là, on va commencer, nous, par l'Égypte. Je vais les faire dans l'ordre pour pouvoir avoir débloqué les items qu'il me faut. Donc là, on va commencer donc en Égypte. Oh là, j'ai pas pris la bonne arme. Fais start, mon coco, voilà. On va prendre ça et on... Oh non, j'ai été trop court. J'ai été trop lent pour récupérer le piment. C'est dommage. Je sais pas si j'en aurai assez, du coup. Hop, ça, c'est du maïs. J'en ai pas besoin. Enfin, j'en ai pas besoin. Si, j'ai toujours besoin de maïs. Hein. C'est pas... Oh là là, ça va être dur. Hein. Je commence à bien me faire toucher. Ok, donc là, il n'y a pas... J'ai pas ce que je veux ici. J'en ai un là. Ok, je me refais toucher. C'est vraiment pas cool. Ok, lui, il a rien. Et ouais, bah il me manque... Oh non! Oh non! Oh bah voilà. Dur. Bon bah désolé. Voilà, là ça va être plus rapide maintenant du coup. Pour le coup, ce sera quand même vachement plus rapide. Ah non, 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 je suis passé du mauvais sens. Fallait que j'aille par là. Bon, je me fais toucher, c'est pas grave. Hop. Encore. Bon là, faut que j'arrête de me faire toucher par contre. Oh non, 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 je dis ça et je vais encore mourir. Oh non. C'est un truc de malade. Ouh, poulet. Merci. Ah non, c'est vraiment pas évident de jouer et de parler en même temps. C'est vraiment, vraiment pas évident. C'est un truc de fou. Donc là, start. Je sais même pas... Non, 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 non. Je suis bête. Il me semble que je peux rentrer directement. Nous sommes à 28 minutes de vidéo. Donc on va pas trop tarder à arrêter le test, je pense. Ouais, bah ce que je vais faire, je vais vous montrer un dernier petit stage quand même. Parce que ça vaut vraiment le coup. C'est le stage du Pôle Nord. Je sais pas, j'adore ce stage. Il est dur, hein. Franchement, ça glisse beaucoup, quoi. Ah non, les musiques de ce jeu sont vraiment variées, les stages sont très variés. C'est un jeu génial. Il est génial, ce jeu. Voilà. Bon, au niveau du gameplay, je suis un peu désolé. Hein. Le jeu... Je veux vous montrer le plus de choses possibles hein, dans le jeu. Mais du coup, ça... Forcément, ça... Je me fais toucher un peu plus, étant donné que j'essaye d'aller le plus possible. Ok. Je pensais que j'allais rester. Hop là. Donc là, on a pour débloquer ce qu'il y a dans le cube, en bas, on a besoin d'aller en Égypte. Et de... Non, c'est pas en Égypte. C'est les Maharajas. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait... C'est quand même assez court. Je rallonge un petit peu la durée de l'émission, mais c'est pour vous. Hop, donc ces ennemis-là, les bonhommes-là avec les serpents, eh ben, tout simplement, il leur faut, eux, 3 coups pour mourir. Donc il faut les enchaîner, enfin pour mourir, pour être bloqué. Il faut vraiment les enchaîner. Si on les enchaîne pas, et bah on... Il balance des petites notes de musique. Et si cette note de musique vous touche, le serpent qui est au-dessus de la tête de... du méchant, bah il vient vers vous et il vous touche.
Donc je pense que je vais faire le stage du chez le Maharaja là, voilà. C'est un labyrinthe. Je préviens tout le monde à l'avance. Le labyrinthe, je le connais par cœur bien sûr, donc on va pas être perdu. Et pour ceux qui connaissent pas, on va donner la solution. On descend, on prend cette porte là en premier. Ensuite, on file sur la droite. Tac. On prend la première porte. Jusqu'ici, pas de souci. Ici, on passe. On saute par-dessus celle-ci. Parce que si on passe devant, on rentre dedans. On monte. Une fois qu'on arrive là, on prend ici. Une fois qu'on est là, attention au Maharaja. Voilà. 3, c'est bon. 1, 2, 3, c'est bon. On file là. Et parce qu'il y a vraiment plein de portes partout. Et je me souviens que quand j'étais petit, je galérais. Et voilà, ici, nous arrivons au boss, tout simplement. Donc c'est pour ça, je voulais prolonger un petit peu. C'est vraiment pas long. Et là, je vais vous faire le boss. Un des boss mythiques aussi du jeu, bien sûr. Hop. Et donc là, voilà. J'utilise ça parce que... quand même... Non. Ok. J'ai fait des bêtises. Ok, bon, donc j'ai plus de... On va devoir faire... comme ça. Mais c'est pas évident. Voilà. Bon, il devrait pas trop tarder. Je l'ai touché quand même quelques fois au... avec le popcorn, donc... Ouais, ça c'est bon. Vous voyez, il est pas évident à toucher. Il faut vraiment... Ah bah voilà. Il est mort. Donc voilà, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et j'espère vraiment, vraiment que ce test vous aura plu. C'était donc Quakeshot starring Donald Duck sur Mega Drive. Un jeu mythique. Et donc voilà, bon, si vous avez envie d'essayer un jeu rétro, bah, je vous conseille vraiment celui-là. C'est... un des meilleurs jeux de Mega Drive pour ma part. Après, il y en a plein qui seront sûrement pas d'accord avec moi. Mais pour ma part, c'est quand même un des meilleurs jeux de Mega Drive. Et c'est vraiment... je me fais vraiment plaisir dessus. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Sur le stage des Vikings. Comme ça, vous aurez vu presque tous les stages. Il manque juste deux stages que vous aurez pas vu, qu'on débloque une fois qu'on a tout fini. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la cave à jeu. Et puis bah si ça vous a plu, partagez la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis bah laissez vos commentaires. Bon allez, ciao ciao.